Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de faire. C'est une vidéo où je vais vous montrer les décorations que j'ai achetées pour Halloween. Étant donné qu'on est le 1er octobre, ben voilà. C'est Je vais parti. commencer par la décoration de chez Jiffy. Il y a beaucoup de trucs animés que je vais pas forcément démarrer parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit et vu que je suis dans une pièce qui résonne, et ben voilà quoi. Donc j'ai acheté le balai. Du coup là, tout ce que je vais vous montrer sera Jiffy. Donc le balai, voilà, il est trop chou, vraiment. Donc ensuite, il y a la petite lanterne, la citrouille, voilà. Alors elle s'allume. Voilà, là je vous montre comme ça parce que je ne vais pas appuyer à chaque fois, mais voilà. Ensuite j'ai pris des petits trucs de potions comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien, je pense que j'en ai pris un deuxième en rouge avec la petite chauve-souris dessus. Je trouvais ça trop joli en fait. Ensuite il y a la boule de cristal. Ça je vais pas l'allumer. Parce que en fait ça fait genre vraiment beaucoup de bruit, donc là ça va être très brillant sinon, mais du coup ça c'est clair et ça fait du bruit, mais voilà. Ensuite celle-là j'adore, en fait c'est une petite sonnette. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, je trouvais ça trop sympa, en fait c'est trop bien fait, franchement. Donc voilà, là j'ai fini pour les décos chez Jiffy. Donc du coup, je vais passer aux décos chez B&M. Donc voilà, j'ai acheté ça, je trouvais ça trop joli, genre vraiment, c'est trop trop beau. Et ça sale, ça s'éclaire. J'arrive plus à parler. Donc voilà, c'est trop joli, vraiment. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris ces deux citrouilles. Voilà, toujours chez B&M. Enfin, je trouvais ça trop beau pour la déco. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le petit fantôme blanc, comme ça. Alors, il s'éclaire. C'est trop joli, je trouve. Voilà, par exemple, à mettre sur une table ou même dans la déco, c'est trop joli. Alors, ensuite, j'ai acheté une petite guirlande. En fait, c'est des citrouilles dessus, je sais pas si on voit bien. Voilà, et bah, du coup, qui s'éclaire. Alors, c'était dans un emballage, hein, mais j'ai déballé ce matin. Donc, voilà, c'est trop joli, je trouve. Voilà. Donc, ensuite, on a le petit fantôme. Alors, il fait du bruit. Ensuite, on a pris une machine qui fait des sons de tonnerre et des flashs d'éclairs. Donc, du coup, là, on passe. Enfin, on change de magasin, du coup. J'ai acheté ce château à la foire fouille. Il s'éclaire et il fait du bruit. Donc voilà, je le trouvais trop joli. Il a des paillettes et tout. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Action. Alors, on a acheté des petites branches comme ça pour la déco d'Halloween, qui font un peu automne, voilà. Ensuite, on a acheté, je sais pas si vous voyez bien parce que ça reflète, une boîte où il y a plein de trucs couleur automne. Il y a des pommes de pin, des courges, des. Enfin, il y a plein de trucs. Et donc, je termine par la dernière décoration. Donc, c'est pas vraiment Halloween, mais ça faisait automne et je trouvais ça trop joli en fait. Donc, voilà un petit hérisson, c'est tout doux. Donc, c'est la fin de la vidéo. On aura sûrement une vidéo de la déco quand elle sera installée parce que du coup, il n'y a pas toute la déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme autre vidéo dans les commentaires. Et abonnez-vous. Merci, salut!